Aïe, tire plus doucement, t'as tiré trop fort, ça fait trop mal. Désolé, mais tu es fabriqué pour ça? Tu peux arrêter, s'il te plaît, pour faire une pause. Dans 3 minutes, on arrête. Pour le moment, je m'entraîne. Aïe, ouf, je me dégoûte. Si tu continues, je vais acheter un nouveau ballon. Et après, on ne se parlera plus. D'accord, je m'en fiche. Laisse-moi ici. Une autre personne, il va venir me prendre. Arrête, sinon je vais te mettre à la poubelle. Non, pas à la poubelle, ça pue. Arrête de plaindre alors. Un jour, ma ballon m'a dit, pourquoi toi toujours avec moi? Et laisse-moi reposer un peu. Parce que tu es mon ballon favori et ta couleur est jolie. Tu peux acheter un autre ballon. Parce que moi, je suis fatiguée et dégonflée. Non, parce que c'est mon premier cadeau qu'il m'a donné papa. Quand j'étais petit, je me rappelle. Mon papa m'a donné ces ballons à mon anniversaire quand moi j'ai 4 ans. Ok, on peut faire ça. Tu peux ajouter un autre ballon et tu peux jouer avec ce ballon en semaine. Et après une semaine avec moi, tu peux demander un ballon avec d'autres couleurs. Il est où ton papa? Mon papa, il voyageait en Italie une année pour le travail. Il vient toutes les vacances parce que mon papa nous manque. Il reste toute semaine avec nous. Ok, tu veux sortir un peu, jouer au foot avec moi? Oui, vas-y. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je ne vais pas bien parce que je suis fatigué de marcher. Ok. Ma semelle est usée parce que je marche beaucoup. Ok. Moi, je veux faire un voyage en France. Justement, je pars en voyage. Tu vas où en France? Moi, je fais à Paris, à Toulouse, à Tours et au Mont-Blanc. Moi, je vais avec toi. Au sauf si tu es fatigué? Non, non, je ne suis plus fatigué à toute la coupe. Je peux te poser une question? Oui. Prends-moi, je marche toujours avec toi. Parce que je sers à marcher et je t'aime plus que les autres. Ah ok, je vais me préparer pour marcher encore une fois. Je t'accompagne en voyage. Vive l'aventure. Mais moi, je vais avec toi si tu m'amènes au cordonnier. Parce que je veux mettre une autre semelle. C'est un grand voyage quand même. D'accord, c'est bien parce que je t'aime. Aujourd'hui, je veux ma brosse à dents. Elle n'était pas comme d'habitude. Pourquoi tu es triste? Parce que je brosse plus bien. Je suis aussi, je m'ennuie. Mais pourquoi tu ne parles pas avec le verre? Parce qu'il est sale. Et pourquoi tu ne parles pas avec le dentifrice? Parce qu'il pique, il gratte mes épaules. Pourquoi tu ne parles pas avec le robinet? Parce qu'il me noie tous les jours. Pourquoi tu ne parles pas avec les toilettes? Elles sont trop mauvaises, Berthe. Pourquoi tu ne parles pas avec les lavabos? Parce qu'ils ne sont pas mon ami. Bon, je vais acheter un autre brosse à dents pour tes compagnes. D'accord, ça me va, mais attention, tu ne me pas jeter à la poubelle. Un jour, ma casquette m'a dit. Pourquoi tu sors toujours avec moi? Tu n'as pas d'autre casquette dans tes placards? Parce que toi, tu es très belle et tu es de bonne marque. Tu peux acheter une nouvelle dans notre style? Non, parce que j'aime ce style. Tu peux acheter une autre casquette et me laisser tranquille?
Tu es ma casquette préférée et j'ai enregistré mon premier clip vidéo avec toi. Et j'ai visité des autres pays avec toi. Tu veux vraiment que je n'utilise plus? C'est vrai, mais tu peux acheter de nouvelles à porter lorsque tu ne vas pas à des événements importants. Ok, ce qu'on va faire alors, où je te range? Je ne sais pas. Dans les placards? Non, là-bas il n'y a pas de lumière. Dans le bureau? Non, parce que là-bas il n'y a pas de livres. Alors, sous les frigos? Non, il fait froid là-bas. Je te mets où? Dans les sacs? Bah non, il n'y a pas de lumière et je n'aime pas les livres. Dans la poubelle? Tu es malade ou quoi? Non. Alors où? Laisse-moi sur ta tête, c'est mieux. Je suis triste. Pourquoi tu es triste? Parce que je suis toutes les journées de le sol. C'est pas mon problème, tu es juste un oreiller. Tu peux acheter un autre oreiller. Je suis bien avec toi. Je n'ai marre d'être sale. Calme-toi, d'accord. Je vais te laver. Merci et bonne nuit. Un jour, mon sac m'a dit. Mais pourquoi t'amènes tout ça? Je suis lourd, je vais craquer. Parce que je travaille tout le temps, c'est normal. Mais ce n'est pas vrai quand même. Prends un peu moins d'affaires. Ou sinon, je vais me déchirer ton dos. Va sous casser, range tes affaires ou change-moi ou laisse-moi tranquille à la maison. C'est clair? Mais tu es méchant en fait. Je me prends beaucoup d'affaires et tout existe pour porter ces affaires. C'est clair? Je ne comprends rien et j'ai mal aux bretelles. Tu pleures comme un bébé. Tu m'as fait pleurer. S'il te plaît, laisse-moi dans la maison, je ne peux plus. Je te garde un point, c'est tout. Va te reposer dans ton placard. Pourquoi tu joues toujours avec moi? Parce que j'aime jouer avec toi. Je n'ai pas envie de jouer à autre chose. Tu vas avoir mal de la tête si tu joues beaucoup? Non, je n'ai pas mal à la tête. N'importe quoi. Hein? En plus, tu ne te laves pas tes mains avant de jouer. Je suis tout couvert de chips, de chocolat et d'Oreo. Respecte-moi un peu. Mais si, m'en lave les mains avant de manger, mais pas après. Ce n'est pas grave. Va laver tes mains. Tu peux me nettoyer au moins? Non, je préfère jouer à... Je perds du temps avant de nettoyer. Je m'arrête de fonctionner. Et comme ça, tu arrêtes de jouer avec moi et de me salir. Tu vas me laisser un peu tranquille. Au revoir. S'il te plaît, n'arrête pas de fonctionner. Sinon, je crie et je pleure. C'est bon. Je vais nettoyer. Merci, comme ça, je suis bien. Je te nettoyais chaque semaine sur premier. Et comme ça, on est meilleurs amis. C'est ce terrain football que je veux faire des amis. De devoir d'avoir mis 5 goûts, quelques échanges, quelques mots, on suffit. Qu'on parle français ou marocain, ou de la langue de Ronaldo. Sur la terre, il ne fait plus qu'un, et c'est facile tous les mots.